Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit entraînement avec peu d'exercices, mais bien cardio. On va travailler l'ensemble du corps et on va retravailler le gainage. Vous prenez votre bouteille d'eau et c'est parti. On va commencer par s'échauffer un petit peu, vraiment un petit peu. Donc, il ne faut pas faire ça au saut du lit non plus. Donc, pour commencer, je vais faire aller mes chevilles, d'accord? Et puis, progressivement, je vais essayer de mettre du rythme pour pouvoir sautiller, d'accord? Donc, vraiment pour bien mobiliser au niveau de la cheville, commencer à échauffer les mollets, les cuisses, donc l'ensemble du corps. Et je sautille. Ok, quand vous avez sautillé comme ça un petit peu, on va repasser au squat. Hop, le squat où je pousse les fesses en arrière et je remonte. Polyarticulaire, donc ça échauffe bien tout le corps aussi. Okay, vous faites une bonne dizaine de squats. Et pour terminer, vous pouvez bien sûr prolonger aussi celui-là. Je vais toucher le pied opposé, comme ça j'échauffe aussi un peu plus au niveau de mes hanches. Et je commence à pivoter. Ok, donc un petit peu la colonne. Ok, je monte les exercices, d'abord calmement. Donc notre premier, ce sera, je vais mettre le pied loin derrière et je vais sauter. Donc je vais et revenir directement. Je souffle, j'inspire ici. D'accord? Si vous n'arrivez pas à sauter, vous pouvez simplement hop, revenir. Donc faire sans impact. Ok, essayez quand même de chaque fois de transférer le poids. Donc ici, je remets du poids en arrière, talon en arrière, et je pousse le genou en avant. Ici, je reviens. Attention que parfois, on fait ça. Évitez de pousser votre bassin en avant. Donc juste ça, d'accord? Deuxième exercice, je vais sauter et m'arrêter tous les trois temps. Donc je vais monter les genoux. Un, deux, trois, je reste. Un, deux, trois, je reste. À nouveau, si vous le voulez, sans impact. 2, 3, reste. 1, 2, 3, reste. Évidemment, point de vue cardio, ce n'est pas du tout pareil. Notre troisième exercice, c'est du gainage. Donc, je vais aller au sol. Je repousse bien sur les bras. D'accord? Vraiment bien engager vos bras. Les creux des coudes se regardent. Ok? Je retends les jambes et je mets les pieds assez larges. Bien repousser sur les bras, bien repenser à l'autograndissement. Je vais sauter, ramener les genoux près de moi. Un petit peu comme si je voulais venir à quatre pattes. Hop! Puis je repars, hop, puis je repars, d'accord? En version plus soft, je marche. Voilà, je vous ai décrit les exercices, maintenant on prend notre timer. Moi j'ai fait 30-10, 30 secondes de travail, 10 secondes de récupération. On fera deux tours ensemble, c'est parti. Ok, on va commencer, je commence avec la jambe droite, droite derrière, monte. Repos. Vous allez bien récupérer son souffle. On est parti, donc c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gainage. Large. Repousse sur les bras. Ok,
fast. On récupère un petit coup. Ok, on récupère une minute si besoin. Vous attendez que votre rythme cardiaque redescende comme un niveau quand même qui est confortable, on va dire, pour repartir. On repart. Cette fois-ci, avec la jambe gauche derrière. Note 1, 2, 3, stop. Gainage. Go. Ok, on récupère un peu son souffle. Et puis pour le retour au calme, je vous propose de prendre des accessoires. Si vous n'avez pas ce style de petite balle, vous pouvez aussi prendre une balle de tennis maintenant. La densité n'a rien à voir. Mais en fait, je m'en sers pour ne pas avoir mal ici parce que parfois, dans ce style d'exercice où on comprime pour le saut, etc., je le sens parfois ici. Donc, je vais juste rouler. J'appuie assez fort. On peut aussi faire des petites rotations comme ça. Ok, vraiment pour soulager ici. Si vous poussez votre bassin en avant, vous essayez souvent de rétroverser le bassin, peut-être parce que vous avez peur d'avoir mal au dos. Peut-être que vous sentez aussi parfois que vous comprimez un petit peu comme ça cette partie antérieure du corps. Mais en tout cas, je le sens. Donc, du coup, je fais attention. Et puis, j'essaye aussi justement de prévenir ça, de rester à l'écoute justement de cette douleur, si je peux dire, cette gêne. Ok, donc quand vous avez fait les deux côtés, hop, on va prendre un rouleau. Ici, j'ai pris une densité qui n'était pas trop importante, parce que ça me fait mal. Ça existe en plus dense. Ok, et ce que je vais faire, c'est le mettre ici, près de mon genou, et je vais rouler. Alors, n'hésitez pas à rectifier, justement, si vous n'avez pas bien mis du premier coup, vous changez un petit peu. Et n'hésitez pas aussi à changer un petit peu les directions. Donc par exemple, être un petit peu plus de côté, un peu plus à l'intérieur, ou à nouveau, je peux revenir un peu plus ici sur le dessus, donc niveau des fléchisseurs qu'on peut pas mal travailler ici. Voilà, ça c'est chouette. Vous pouvez rester aussi un petit peu simplement et relâcher, faire des tout petits mouvements. C'est parfois une habitude qu'on a quand on ne connaît pas trop les outils de massage, c'est d'aller super vite. Donc ici, comme c'est de la récupération, a priori, je ne vais pas non plus essayer d'aller trop vite. Je vais me rester quasi statique. Ok, puis je fais pareil de l'autre côté. Donc, hop, la cuisse, un grand mouvement. En fait, en général, quand je le fais, je me dis, ok, qu'est-ce que mon corps me dit ? Là, ça va. Si je tourne plus, a priori, il me dit « Fais gaffe, Séverine !» Donc, on y va mollo. Faut jamais aller à une douleur qui va vous crisper. C'est pas le but, vu qu'on veut détendre les muscles, qu'on veut détendre les fascias, d'accord ? Donc, on essaie vraiment de rester dans une zone qui est quand même confortable, même si je dis pas que c'est toujours agréable. Et puis, donc, moi, j'aime bien, au niveau, ici,
du bassin. Hop, et je pourrais rester simplement comme ça. Essayer un peu d'épouser le ballon, vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme aller le sucre sur la pomme d'amour, vous voyez? J'ai essayé vraiment de me laisser aller sur le rouleau pour essayer que tout mon corps se détende. Ok. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et je remonte. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Vous aviez deux options. Vous pouviez prendre l'option où il y avait moins d'impact. Et de toute façon, l'option plus facile, vous pouvez la faire pendant l'entraînement. Si vous sentez que vraiment vous pompez trop au poids du cardio, vous pouvez redescendre en intensité. Ici, le timing que j'ai mis est difficile parce que sinon ma vidéo va vraiment être très longue. Mais c'est un timing difficile. Donc donnez-vous quand même le temps d'évoluer, pas tout de suite passer à 30-10. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube et rejoignez-moi par exemple sur Insta et sur Facebook. Ciao, prenez soin de vous.